Une petite bouffée aux grands dégâts. Cet homme fume le kush, une drogue synthétique qui imite l'effet du cannabis, mais dont les conséquences sont plus néfastes. Ici, en Sierra Leone, la jeunesse désœuvrée se laisse tenter. Une dose coûte trois fois rien. Certains sont prêts à tout pour s'en procurer. Je laisse des hommes me suivre pour avoir de l'argent pour m'acheter du kush. Et je tresse des cheveux aussi, mais je fais peu de tressage de cheveux. Parfois, je vais dans la rue pour me prostituer pour de l'argent et pouvoir obtenir ce que je veux. Cet hôpital psychiatrique est le seul du pays. Il est très vite débordé par des patients toxicomanes. Certains sont en état de psychose. Ils doivent donc suivre un traitement de sevrage pendant plusieurs semaines. Je voudrais dire à mes camarades dehors que cette substance que nous consommons, qu'ils consomment parce que je n'en fais plus partie maintenant, je suis une nouvelle personne, cette substance qu'ils prennent n'est pas bonne pour la santé. Le personnel hospitalier affirme que les patients ici ne représentent qu'une petite partie des malades. D'autres n'ont pas eu la chance d'être pris en charge et sombrent dans un état d'extrême dépendance qui peut être mortel.